Ta garde. Voilà. Allez, continuez! Sabatino. Je cherche deux voleurs, Sabatino. Chez moi? Il y a des gamins ici. Ceux que je cherche sont jeunes. Hier, un des nôtres a été abattu en bord de mer. J'en ai entendu parler. C'est des jeunes qui ont fait le coup. Non, mais ils savent peut-être quelque chose. Je croyais que vous cherchiez deux voleurs. Pourquoi personne n'est entré ici? Et si vous voulez regarder. Ah, si, si, il y a une salle de muscu, ils sont peut-être passés par là aussi. Allez, je vais vous montrer. Voilà, c'est derrière. Mais à mon avis, il n'y a personne. Merci quand même. Bonne journée. De rien, ciao. Allez, cassez-vous. Allez, cassez-vous. Tirez-vous. Oh, 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 oh. Oh. Qu'est-ce qui vous prend, oh, c'est bon, lâche-le. Calme-toi. Oh. Ramassez vos affaires et barrez-vous. C'est ça, cassez-vous. Et calme. Toi aussi, tu t'y mets, Pasquale. Allez, va-t'en. C'est ça, barrez-vous. Si jamais je vous revois, je vous balance aux flics. Pourquoi tu t'entraînes pas ici au lieu de faire l'imbécile avec ce petit con? Parce que t'as une bonne droite. C'est bon, on y est. Assieds-toi. Allez. Regarde, il y a Vito. Prends-toi bien. Va. T'en es où? Salut, Rosario. Ça va? Quel est? Hey, tu sais ce qui se passe, Vito? C'est quoi, cette histoire? À cause du flic qui s'est fait tuer. Pourquoi tu fais cette tête? C'est toi qui l'as tué? Non, mais un des mecs hétéro comme moi. T'es rentré chez toi à quelle heure hier? Je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Et quand t'es rentré, y avait qui chez toi?
ma famille. Et un peu plus tôt? J'étais seul. Et tes copains, ils étaient pas avec toi? Non. T'en es sûr? J'étais tout seul. Écoute-moi bien. À quelle heure t'es rentré chez toi hier? À 9h30. À quelle heure t'es vraiment rentré chez toi? 9h30. T'étais tout seul? Non, avec Monica Bellucci. Arrête tes conneries! Réponds-nous au lieu de faire le mariole! Tu comprends ce que je dis? Elle est mignonne, la rouquine, hein? En fait, t'es un vrai caïd, toi! Regarde sa tronche. Je sais pas toi, mais moi, il me faut les jetons. M'en parle pas. Hein? Eh ben, on va voir. Y avait qui d'autre au checkmate? Et avec moi? Et avec toi? Dans ce cas, pourquoi t'as dit que quelqu'un pourrait témoigner que t'étais là-bas? J'ai rien fait. Rosario, est-ce que tu connais Vito? Qui? Vito. Ouais, je le connais bien. Ah. Et hier soir, t'étais avec lui? Non? T'étais avec qui? Avec Michele? Ouais. Il te prend par derrière ou c'est toi qui l'a? On alterne, pourquoi? Vous avez vu, inspecteur, il fait le malin. Tu sais, Rosario, tu devrais pas jouer au con avec nous. Non, mais c'est vous qui faites les malins, pas moi. Qui c'est qui fait le malin? C'est bon, Esposito. Du calme. Alors, ça te plaît d'aller sous l'eau? Ça va. Tu vas pêcher des moules? T'aimes ça? Bien ça, hein? Hein, le rouquin? T'aimes bien ça? Hein? Moi, franchement, là, tu m'as saoulé grave. Et toi, t'en penses quoi? Moi, c'est pareil. Hein? On va voir si t'aimes l'eau de mer. T'en dis quoi, la rouquine? Allez. Regarde un peu comme il est mignon. Choque plus ton foiré. Allez bien. Assis. Alors comme ça, t'aimes la peau. Allez, ouvre la bouche, connard. Ouvre. Tu vas voir, tu vas pas causer avec ça. Merde. Allez. Allez, avale le rouquin. Alors, t'aimes ça? Espèce de merde. Ça. Hein, tu la ramènes, moi. Hein. Alors, tu te régales? Il est où le caïd, hein? Connard! Putain! Quel crétin! Appelle les secours, dépêche-toi! Les secours? Fais chier! Alors, qu'est-ce qu'ils foutent? Hé, tu regardes quoi là? Allez, vas-y, dégage, fous le camp! Rappelle-les! Michele, je t'avais laissé une assiette de macaroni, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ah, t'es en train de manger. Ouais, merci. Alors, comment ça va? Tout va bien? T'as l'air un peu contrarié, un peu énervé, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose? Ouais, un flic a été tué. Un policier a été tué? On m'a emmené au commissariat. Eh ben... Et alors? Comment ça va se terminer, cette affaire? Ils vont s'en prendre à toi, hein? Non, c'est pas ça. Ils ont interrogé tout le monde, mais... Ils cherchent quelqu'un d'ici. Vraiment? Quelqu'un d'ici? Quelqu'un de la cité? Tu le sais pourtant qu'il me faut pas de contrariété. Quand est-ce que tu te décideras à faire quelque chose de ta vie? Trouve-toi un boulot, n'importe quoi, et boire. Mais fais quelque chose. Oui, c'est là. Pourquoi il gueule comme ça, celui-là? Louisella! Quoi? Je fais quoi? Je plonge! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ben vas-y. Va lui parler. T'es trop con. Va lui parler. Lâche-moi. Mêle-toi de tes affaires. Lâche-moi, là. Oh, t'es vraiment trop con. Allez, c'est bon, je me tire. Allez, pousse-toi. Tarlouze! C'est un canon, celui-là. Louisella, c'est ça?
Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Fais pas attention. Tu t'appelles pas Louisa? D'où tu sais ça? Bah, je te regardais. C'est vrai? Mmh. Je m'en suis pas aperçue. Fais voir. Et touche pas à ça. Eh, je vais pas te le voler. Qu'est-ce qu'il fait? Touche pas à mon téléphone, t'es bouché ou quoi? Je t'ai dit de pas le toucher. Bravo, là, ta fiole. C'est moi que tu traites ouais, de ta fiole. Ouais. C'est à moi que tu parles? Hey. Oh, hey, allez, je te défonce. Montre-moi ce que tu fais. Calmez-vous. Attends, vas-y, mais regarde, vas-y, viens, viens. Il court, vas-y, bouge-toi, bouge-toi, ils sont en train de se battre. Tu vas voir si j'ai une ta fiole. Allez, viens, tu vas voir. J'ai pas 50. Hey, les gars. Hey, viens. Oh. Vas-y, viens. C'est bon, allez, viens, viens. Je le retrouverai. Arrête, qu'est-ce qui te prend? Ça a marché avec elle. Allez, viens, on rentre. C'est toi qui régale. Il paye jamais, lui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? T'es pas content? C'est ça. Avec nous, tu fais quoi? C'est bon, je vous suis. Allez, ramène-toi. Hé, hey, Michele, j'ai gagné, j'ai gagné. Tu veux voir un truc? Ouais, ouais, je m'en vais. T'as trouvé ça où? C'est bon, vous avez fini? Salut, on vous sert à côté, d'accord? Hé, hey, t'as vu qui vient de débarquer? Salvatore, le fils de Ciccio Vitiello. T'as vu la caisse qu'il a? Alors ça va? Nickel. Salut. Bonsoir. Ouais, allô? Ah, Louise est là, salut. Ça va, ça baigne? Allô? Louise est là? Mais c'est vraiment toi? C'est vraiment toi? Eh, hey, ma belle, tu peux m'échanger ces jetons, s'il te plaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux dire? Pour le faire parler, ils lui ont fait boire de l'eau de mer. Jusqu'à ce que ça trache et lâche. Éteins ta clope, je supporte pas la fumée. Attends, j'écoute ce qu'il dit. Ils lui ont fait boire de l'eau de mer jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Ensuite, quand ils se sont rendus compte de leur connerie, ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans la flotte. Tout ça pour un connard de merde qui piquait les roues. Bon. Qu'est-ce que je vous sers? Tout va bien, monsieur Salvatore? Si vous avez besoin, je suis là. Hein. C'est qui, lui? Ouais, juste un petit con du coin. Il manquait plus que ça. Je te jure. Ouais. Tu faisais quoi? Hein? Tu faisais quoi? Je passais une annonce pour du taf. Ah ouais? Bon, allez, on ferme. Rentrez chez vous. À 10h? C'est quoi ces conneries? À 10h, c'est le couvre-feu, c'est la nouvelle loi du préfet. Alors tu poses ton verre. Pourquoi et tu t'en vas. Ça va tuer moins de monde si le bar ferme à 10h? Ah, t'occupe pas de ça, allez, rentre chez toi, vous êtes toujours ici. Bon, là. Allez-y, bon, allez, 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 foutez le camp. Toujours fourré là, ceux-là. J'avais dit que je te retrouverais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux parler chiffon? Il est là, le chien. Allez, on va tirer tout. Connard! Hé, regarde-moi,
C'est qui là ta fiole? C'est toi ou c'est moi? Taille-moi une pipe. Ta fiole! Conduis-toi comme un homme, t'as pigé? Envoie-moi ta mère. À cause de toi. Alors j'espère bien que tu l'as tiré. Alors elle est bonne? Et toi? Il te traite bien ici? Fallait bien que je le fasse un jour ce baptême. Et toi? Les bagnoles? Ça suffit avec les bagnoles. T'as raison, c'est mieux. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que je suis en tôle? Regardez bien son jeu de jambes. Il est toujours en mouvement. C'est ça qui lui donne sa rapidité. Là, regardez. Là, regardez, il va très vite, là. Demain, je t'emmène avec le reste de l'équipe. Par contre, j'ai besoin d'une autorisation écrite. Qui signe les papiers chez toi? Mon grand-père. Mais où on va? En Amérique du Nord. Here we go again! Same old stuff again! Marching down, yeah!
United reached the final round of the last match of the five boxers, the name of Steven Tagnoli, against five boxers of the executive team of Bob Chinese. Respire. Two matches are won by Nato, two by Exist. Five boxers will win the trophy of the four times memorial of friendship between nations. So sit down and enjoy the show. Nano! Michele, essaye de réfléchir un peu. Regarde-le, bon sang. Regarde comment il bouge. Dès qu'il baisse la garde, tu lui mets un gauche et un crochet du droit. Mets-le au tapis, sinon on va perdre au point, d'accord? Allez, un gauche, un crochet du droit. T'as compris? Allez, assomme-le, cet abruti, Michele. Monte ta garde! Plus haut les mains, plus haut les mains, Michele. Voilà, vas-y, vas-y. Vas-y, Michele. Voilà, continue. Plus haut les poings. Bien. Bravo. Ouais, magnifique. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ladies and gentlemen, and the winner is Michele Buccellino. Bravo, c'est bien. Beau combat. Toi, Tatanka. Putain de Tatanka. Toi, Tatanka. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bison. Un bison. Un bison. Tatanka. Tatanka. Tu vas dormir. Hein. Et l'argent? L'argent? Et quel argent? Celui que t'as donné, Franck. Regardez-moi ça. Je vais t'emmener aux Jeux Olympiques et toi, tu me parles d'argent? Les Jeux Olympiques? T'es pas comme les autres gars. T'es comme toi, il y en a un sur 100 000. T'as de la dynamite dans les poings. Ouais, mais comment je fais pour aller aux Jeux Olympiques? Tu dois faire ce que je te dis. Et je dois faire quoi? Tu dois gravir les échelons des championnats une marche à la fois. Et après? Après, tu rentres dans l'équipe nationale. Et je fais comment? Il faut rentrer dans un club important qui te soutienne. Je fais comment? Mieux que ça, tu sais ce qu'on va faire? On va demander au Firmiolo. Tu sais ce que c'est? Non. C'est l'équipe de la police nationale. Non, 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 je veux pas être un poulet, désolé. Alors tu peux oublier les JO. Ici, si tu veux devenir boxeur, tu dois t'engager dans l'armée ou dans la police. Mais t'inquiète pas, je m'en chargerai. Je vais prendre rendez-vous avec mon ami capitaine. Je te présenterai. T'as pas à t'en faire. Allez, on se voit demain pour l'entraînement. D'accord, maître. T'as pas fini ton bordel avec ta bécane? Louise est là. Tais-toi. Fais pas de bruit. Louise est là, j'ai gagné. Attends, viens par là. C'est quoi ces marques sur ton visage? T'inquiète, c'est rien, ça fait pas mal. Non, montre-moi, c'est quoi ces marques? Ah, c'est rien, je te dis. Tu sais, j'ai combattu. C'était génial, tu peux pas comprendre. Il y avait tous mes copains pour me soutenir. Et puis à la fin, je te jure, je l'ai défoncé, ce salaud. Tais-toi. Pourquoi? Tu vas réveiller mon père. Et alors? Pourquoi il fait toujours la gueule, celui-là? Je veux pas qu'on sorte ensemble. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'en ai rien à foutre de ton père. Je vais aller au JO. Je vais être champion du monde! Chut! Arrête, tais-toi!
Tu m'emmèneras avec toi. Bien sûr que je t'emmènerai, ma belle. Eh, mais enlève ce truc, là. C'est trop moche. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez pas manger, hein? Vous êtes amoureux ou quoi? Papy, j'y vais, là. Et où tu vas, comme ça? Allez, viens voir. Comment t'as mis ta chemise? T'es tout déboutonné. Et ta cravate, on dirait un chou-fleur, comme ça. Attends, à l'endroit où tu vas, il y aura un capitaine de police. Il va le voir tout de suite que tu sors de ta campagne. Voilà, comme ça, c'est mieux. Il m'a manqué, ce putain de bar. Tu m'étonnes. Alors ça y est, ils t'ont enfin laissé sortir. Ça va maintenant, t'es libre? Ouais, il était temps. Mais tu sais, ce connard de ta fiole? Celui qui t'a fait aller en tôle? Ouais. Ouais, ben. Son père est grossiste en bouffe. Il exporte même à l'étranger. Il a plein de fric. Faut lui faire payer, Michele, tout de suite. Sans perdre de temps, tu comprends? Mais t'as un rendez-vous, quoi. T'as carrément mis la cravate, la chemise et tout, là. Je dois faire un truc super important. Un truc super important? Vas-y, accouche. C'est un truc super important. Dis-moi ce que c'est. Attends, on peut pas faire ça demain, non? Non, on le fait pas demain, on le fait maintenant. Qu'est-ce que t'as? T'as peur? Dis-le-moi en face. C'est bon. Laisse tomber, j'irai tout seul. Va te faire foutre. Sabatino. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il répond pas. Il a dû lui arriver quelque chose, parce que sinon... C'est pas grave. Désolé. Je suis vraiment désolé. Au revoir. Vas-y, finis de charger, je reviens. Les mains en l'air! Les mains en l'air, dépêche-toi! Allez, grouille! Ta gueule! Alors? Oh oh! Allez, on se casse! On se casse! Rosario, il a vu mon visage. Tu fais quoi? Hé, hey, tu vas où, là? Hé hey. Non! Thank you.
Allez, Michele, c'est fini la veille. Tu l'as volé à qui, cette caisse ? C'est quoi, ça ? C'est un cadeau. Là, on fait de l'aquagym, de la natation synchronisée, tout ce que tu veux. Regarde un peu comme il s'éclate dans cette piscine. Viens voir. Là, on a un sauna. Là, il y a un hammam. Viens, je vais te montrer un truc. Vas-y, donne-moi tes fringues. Ça fait du bien, hein? Vas-y, file-moi le peignoir. Oublie pas surtout. Tu lui fais la spéciale, ok? C'est le nouveau directeur. Tiens, j'ai les chauffe aux mains. Hein? Enfin, j'en ai ça. En dessous, tu dors. Chauffe aux mains. Raconte, ça t'a plu alors? Après, je t'emmène faire le tour pour que tu te repères un peu. C'est quoi cette histoire de directeur? Tu croyais que j'allais te laisser tomber comme ça? Dès demain, tu peux gérer l'établissement. J'en ai parlé avec Salvatore, il est d'accord. Et c'est quoi cette tronche? Attends, l'époque des flingues, c'est terminé! T'as rien compris là? J'ai tout compris, au contraire. Attends, ici c'est un plan clean, je te jure! Fais-moi confiance! Me dire que tu sortais ce soir. Comment tu vas? Allez, viens, entre. Pour un peu, je faisais un malaise. Comment je dois faire? Mais comment je dois faire avec toi? Tu ne comprends pas que je suis vieux. Comment tu vas, toi? Comme un vieillard. Oh, je préfère pas en parler. Allez, viens, entre. Oh. Qui aurait cru qu'il t'arriverait une chose pareille? Pourquoi t'as rentré tous tes oiseaux? Ah, ils m'ont obligé à les mettre à l'intérieur parce que je ne peux plus les laisser dehors. Parce que les voisins disent qu'ils se mettent à chanter et que l'après-midi, ça les empêche de se reposer. Ah. Je vais faire du café. Tu en veux un peu? Je veux bien, merci. Oh, de rien. Assieds-toi si t'as envie. Je vais préparer le café. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Je viens voir Louisella. Louisella comment? C'est une jeune femme qui habite ici. Ça me dit rien du tout.
Désolé, merci quand même. Maître ? Qui est là ? Un gauche et un crochet du droit. Michele. Allez, dis donc. Entre, entre. Alors ça, c'est une surprise. Tu m'excuseras, mais je m'étais un peu... Non, c'est rien. Oh. Viens là. Viens là, puis je te regarde. Va ça, alors. Ah, oh. Tatanka. Ouais. Désolé pour le désordre, mais ces derniers mois, j'ai... Elle t'a coûté cher, ta connerie, hein. Parlez de ça. Ah, tiens. Et maintenant, t'as des projets? Ce que je veux, c'est aller aux Jeux Olympiques. T'es pas sérieux? Je me suis entraîné pendant 8 ans. Je reprends où je me suis arrêté. T'as toujours ton pote, là, le capitaine des Fiamme Oro. Les Fiamme Oro? Avec ton casier, tu crois qu'ils voudront encore de toi? Il y a que les Fiamme Oro qui existent. Il n'y a rien d'autre. Il faudrait trouver un club privé. Bah, il y a bien ton gymnase, non? Le gymnase? Comment t'expliquer ça? Il faudrait avoir de l'argent. Et toi, tu connais quelqu'un qui a du fric? Bah voilà. Et c'est quoi cette tête d'enterrement? Alors, ça va? Hey, bien? Un peu de sérieux, Rosa. Ah, okay. Salvatore, tous mes voeux. Merci. Viens, approche. Ça va? Impeccable. Allez. T'as félicité ma femme? Allez. Non. Anna, regarde qui est là. Madame, ah, félicitations. Merci. Hé, hey, calme-toi. C'est gentil d'être venu. Salvatore, ça c'est Michele, l'ami dont je t'ai parlé. Le boxeur. Félicitations. Ouais, merci. Ah, il a le physique. Tu viens de Santa Maria, toi. Hey, elle est bien, la prison de Santa Maria. C'était chouette, ouais. C'est normal, on y est passé avant. Tu m'étonnes qu'il était bien. Alors? Écoute, tu sais, pour le truc dont je t'ai parlé l'autre jour... On en parlera plus tard. En attendant, manger... Et bien, ça, j'en fais quoi? Impose-le là-bas. Et toi, mets-toi. D'accord. Bon alors, il est où le bar? Hé, Matteo, ça va? Quoi de neuf? Fais comme chez toi. E poi un po' da lì, la vita di una città, quindi si va innamorato. Bancomatto ogni mattina, e una banca già via, per la vizia non c'è più. La vita di una città, la vita di una città, la vita di una città.
Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Viens. Hey, doucement, je viens de manger là. Allez, viens. Tu m'emmènes où? T'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? Tu vas voir. Hey, regardez qui vient nous voir. Santa Maria, approche. Allez, viens, Santa Maria. Alors, ça va comme tu veux? Hey, les gars, ce qui place, c'est un boxeur. Un vrai. Santa Maria, montre-nous ce que tu sais faire. Je dois faire quoi? Il faut assommer cette génisse. D'un seul coup de poing. Alors, qui prend les paris, hein? Qui parie sur lui? Vas-y, je parie sur lui. Allez, les gars. Enlève ta veste. T'es jeune et baraqué, alors vas-y. Montre-nous de quoi t'es capable. Je suis sûr qu'il va y arriver. Il est fort comme un tigre. T'inquiète. C'est bon, il va y arriver. Il va y arriver. Alors, 1000 pour moi. Ouais, 1000 pour moi aussi. C'est mort. Allez, poussez-vous qu'on y voit un peu. C'est un vrai boxeur. Curieux de voir ça. Tu y es arrivé! Tu veux que je te dise? Franchement, t'es un bon investissement. Après vous, Malik. Et voilà. Combien de temps? Tout est en très mauvais état. Ah, la salle a été fermée, elle a quand même pas été bombardée non plus. D'accord, mais quand ça reste fermé, il y a souvent des squatteurs. Quand il n'y a pas d'entretien, ça finit dans cet état-là. Ça va pas être facile. C'est vraiment très abîmé. C'est resté trop longtemps à l'abandon. Si on était venu un peu plus tôt, on aurait mis moins de temps. Mais là, il faut, je dirais, un mois et demi. Plus vite, je peux pas. Il y a beaucoup de travail. Il faut refaire toutes les installations. Les châssis, ils sont tout rouillés. Il faut les changer. Oh, c'est une salle de sport, c'est quand même pas une salle peut-être, de réception. Peut-être, mais c'est mon métier, vous savez. Je sais ce que je fais quand même. Hein? Je peux me tromper d'un jour ou deux, mais il faut bien compter un mois et demi. On peut pas faire un peu plus court? Ah, on peut faire plus court, mais ça coûte plus cher. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème? Il n'y a pas de problème. Hein? Ça peut se faire en faisant des heures sup. Mais je préfère vous prévenir que le devis sera plus élevé. Parfait. Un mois, alors. Et venez pas me dire ensuite que la poussière vous gêne, hein? Calme, un seul à la fois. J'ai qu'un seul, d'accord. C'est quoi ton nom? Vincenzo. Vincenzo, tu habites où? C'est bon, j'ai fini. Ok. Je vais courir un peu. Non, non, attends, il faut que tu te reposes un peu. Si tu sors avec ce temps-là, tu vas choper une pneumonie. T'as un match dans deux jours. Ouais, fais comme tu veux. Elle est bien droite? Oui. Allez, fais voir ça. Ah oui, c'est beau. Bon.
calme-toi. Tu restes calme et concentré. C'est du grand spectacle, c'est rien. Quand on reprend, ça fait toujours ça. Allez, maintenant, prépare-toi. Il peut rien t'arriver, t'entends? Tu le laisses faire. Laisse-le faire. Il est grand, il va se fatiguer. Alors laisse-le se fatiguer. Bloque-le, bloque-le! Vas-y, Tatanka, vas-y, on va tous leur exploser la gueule. Oh. Hey, s'il te plaît, arrête-toi une seconde. Hey, tu peux t'arrêter là, faut que je te dise un truc. De quoi tu veux parler? De cette mascarade au centre commercial? Oh. Pourquoi tu fais la gueule? C'est ce genre de conneries, justement, qui rapportent. Regarde. Il faut leur en mettre plein la vue. La prochaine rencontre sera officielle. J'ai déjà parlé avec Chris Cuolo de la Fédération. Tu vas passer les épreuves éliminatoires des championnats régionaux. Il a accepté mon inscription? Attends, tu crois quoi? Non, merde, déconne pas, t'es plein de sueur. Hey, vas-y, dégage. Hey, fais voir ta garde, vas-y. Il paraît qu'Antimo Fierro va aussi participer au tournoi. C'est un grand boxeur. C'est juste qu'il a eu un problème. Et maintenant, il va mieux. Hey, mon frère, comment tu vas? Ça va, et toi? Ça baigne, ça baigne. C'est Michele. Ça va? Michele Mucherino. Ravi de te rencontrer. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Je m'en occupe, c'est pour moi. Hey, tu m'en fais deux. D'accord. C'est beau ici, hein? Vous aimez la piscine. Et la partie restaurant est par là. Je vous montre où on va organiser le match. C'est de ce côté, sur la plage. Buvez, buvez. Non. Mais ça, sérieusement, c'est une autre histoire. Allez-y, je vous rejoins. Voilà, c'est là. C'est ici qu'on a monté nos plus beaux concerts. Tous les grands sont venus là. Aurelio Chianese, Tony Tarantino. T'aurais vu le monde. Et les chaises? Non, on va les planter là, dans le sable. T'en fais pas, on va faire les choses et bien. Et de ce côté-là? On en mettra partout, t'inquiète. Ça sera fait dans les règles. On va faire le Madison Square Garden sur la plage. On the beach. Ça me va. Rosario, dis-moi. Salvatore sera là.
t'as changé, tu sais. Toi, t'as pas changé, par contre. Arrête. Me regarde pas comme ça. Parle-moi de toi. Tu vis où, maintenant? Non. Écoute, Michele, s'il te plaît. Je suis contente de te voir. Je suis contente de voir que tu vas bien. Le prends pas mal, mais je dois y aller. Approche. Arrête, Michele, s'il te plaît. Arrête, je dois y aller. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'étais pressé de me voir seul? Tu voulais te confesser. Ça s'est passé comment, le rendez-vous avec Pépino? Bien. L'endroit est spectaculaire. On peut pas faire plus près de la mer. Mmh. Écoute, Rosario, c'est quoi tes intentions exactement? Parce que Michele, il est pas encore prêt. C'est pas un vrai boxeur. Mais il a des points à fendre les pierres. Et oui, les points, il les a, seulement il n'a pas la technique. Si on fait ça, on l'envoie directement au casse-pied. T'en fais pas pour ça, ça va aller. Occupe-toi de faire ton boulot. C'est tout. T'as dit qu'il lui fallait 30 points pour passer professionnel, tu te souviens? 30? Au moins 30. Ça se fait pas du jour au lendemain, ces choses-là. Dire rencontre et aller, on retire tout de suite le casque. Non, c'est pas possible. Alors que s'il reste amateur, on peut le former correctement. Il peut entrer dans l'équipe nationale et qui sait participer au jeu. Il passera pro. Plus tôt il nous rapportera de l'argent et mieux ce sera. Tu croulais sous les dettes, je te rappelle. Il me semble qu'on t'a bien aidé. Salut, Chiro. Salut. Tout va bien? Ça roule, merci. Sabatino, on est prêt? Pépino. Michele. Allez, faites-nous passer une belle soirée, hein? T'inquiète. Michele. Faites-nous rêver, d'accord? Compte sur nous. Et le champion, il est prêt? Il est toujours prêt. Et voilà. Et toi, t'es le numéro 2, je crois. Michele, tu soignes ta droite. Pépino, c'est toi qui l'accompagne. On y va. Allez, Michele, viens. Hé, hey, Antonio. Allez, bouge-toi, on y va. Thank you.
victoires d'affilée. Face à lui. Bonne soirée, amusez-vous bien. À vous aussi. Eh, merci, on va essayer. C'est qui? L'Allemand. Ce mois-ci aussi, les comptes sont nickels. Il t'a dit quelque chose, Michele? Non, rien. Il m'a demandé une fois si... Eh, hey, c'est quoi ces tronches? C'est rien. On a gagné le combat, non? On était en train de parler de ton avenir. Avec le match contre Antimo Fierro, on va arriver au point qui serve à passer professionnel. Je crois que je suis en train de faire de la brioche, moi. Quoi, t'as pas l'air content? Ça me paraît un peu tôt, non? On pourrait faire ça plus tranquillement, en participant au JO, par exemple. Qu'est-ce que t'en dis, Sabatino? Déconne pas, Michele. Si je te fais devenir professionnel, je peux te garantir que les choses vont changer. On ira se battre aux États-Unis. On va faire les choses en grand, t'inquiète. Allez, c'est bon, on parle d'autre chose. Viens, on se casse. Je t'emmène pas loin d'ici, chez un pote à moi. Sabatino? Tu viens avec nous, Sabatino? Non, je suis trop fatigué. Allez-y sans moi, désolé. Bonne soirée. Je m'appelle Nathalie. Michele, enchantée. T'es allemande? De Berlin. Je suis descendue à l'hôtel d'en face. C'est ma dernière nuit à Naples. Demain, je retourne en Allemagne. Ça doit être très impressionnant de voir ton adversaire qui s'effondre au sol. Juste un seul coup de poing, non? C'est dommage, ce soir, ça va pas durer longtemps. Dommage, oui. La durée, c'est important. Attends, tu ne parles pas comme ça. Ça va, c'est pas comme ça que ça marche. T'as compris? Rosario. T'as pigé ou quoi? Rosario. Tu joues à quoi? Lâche-moi. Ça va, calme-toi. Allez, sérieux. Rosario, laisse tomber. Allez, lâche-le. Rosario, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je peux pas te laisser tout seul une seconde, hein? Ça va. Allez, viens, on se casse. Allez, viens. Calmez-vous. Oh, putain, je fais quoi, moi? Allez, viens, on se casse ou je fous le feu à leur baraque à ces connards. Vas-y tout seul, j'ai un truc à faire. Ça va, j'ai compris. Pourquoi tu ne restes pas? Je peux pas. T'as qu'à rester, toi. Impossible. J'ai deux restaurants dont je dois m'occuper, je te l'ai dit. Si tu m'accompagnais... Et pourquoi faire? Pizzaiolo? D'accord, message reçu. Qu'est-ce qui se passe? Rien, une visite de courtoisie. Et toi, t'es encore en retard aujourd'hui. T'as fait quoi hier soir?
J'ai l'impression que tu m'as pas bien compris. Ou tu viens ici t'entraîner correctement, ou alors tu vas te faire foutre. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? Essaie de te calmer un peu, tu veux? Je te rappelle que j'ai gagné toutes les rencontres par KO. Non, attends. Comment est-ce que tu peux croire qu'avec ce type-là, on puisse faire les choses honnêtement? C'est Rosario! Michele, pour lui, t'es qu'un investissement, c'est tout. Ce gymnase, c'est comme un supermarché pour eux. Ils en ont rien à foutre de la boxe. On devrait même les remercier de nous avoir donné cette opportunité, parce que pour eux, on vaut rien, on est de la marchandise avariée. Tu comprends? Tu pouvais pas les garder pour toi, ces conneries? Non. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, tu dois perdre. C'est Rosario qui m'a dit, ils ont tous parié contre toi. Tu dois perdre contre Timo Fierro. Comment tu te sens, champion? Timo Fierro est en super forme, tu sais. Écoute, Michele. J'en ai rien à foutre de ce que t'as appris, ou de ce que tu crois savoir. T'avais dit qu'on ferait les choses honnêtement. Honnêtement. Et depuis quand t'es devenu un Boy Scout, hein, dis-moi? Je me souviens qu'on volait des bagnoles ensemble. Je t'ai offert une nouvelle vie. C'est comme ça que tu me remercies. J'ai fait 8 ans de bol à cause de toi. Et je t'ai jamais balancé, et tu le sais. Ça y est, tu craches enfin le morceau. Ce type, j'ai jamais voulu le tuer. Et puis si tu voulais pas aller en tôle, t'avais qu'à dire que c'était moi. Qui t'a dit de te taire? Hein? Assieds-toi. Assieds-toi. On peut pas se permettre de jouer au con ce soir. Il y a un tas de fric en jeu, tu comprends? T'as compris ou pas? Maintenant, tu montes sur le ring. Et tu fais ce que t'as à faire. Seven, eight. Avant de partir. Non. Calme-toi. Qu'il te fasse la peau, c'est ça que tu veux? Frappe-moi, idiot. Frappe-moi. Frappe-moi, je te dis. Cogne, bon sang. Mmh.
Vas-y, continue, c'est bien. Alors, c'est comment ? Eh, j'en sais rien, on n'a qu'à lui demander. Eh ! Eh ! Comment il se débrouille ? Eh, réponds ! Alors, il peut devenir boxeur ou pas, mon pote, hein ? Il veut pas répondre, je crois qu'il en veut encore. Vanille und Rosmarin. Und dazu ein Ratatouille. So, bitte schön, das Buffet ist eröffnet. Guten Appetit. Greifen Sie zu. Guten Appetit. Cherche là-bas. Tu ne dois pas t'éloigner des invités. Tu es le maître de maison ce soir. Je veux te présenter Robert Schulz, le critique numéro 1 de Berlin. Suis-moi. Sie haben Erfolg. Er wird ein neuer Manager. Du hättest keine bessere Wahl treffen können. Wein? Und vielleicht kannst du ihn mir ja mal ausleihen. Am Donnerstag zum Beispiel. Da gebe ich eine kleine Party. Bei mir zu Hause. Tu as tapé dans l'œil de mon ami. Il vient de t'inviter à une grande fête qu'il organise chez lui. C'est une tarlouse? Évidemment qu'il est homo. Er hat mich gefragt, ob du schwul bist. Prost. Soll uns leider schließen. Dankeschön. Que t'étais passé. Ça fait 3 heures que je t'attends. J'ai besoin de la voiture, j'ai encore plein de choses à faire. Ici, on travaille. Tu ne l'as pas compris encore? Trinken Wein? Kein Alkohol. Boxen? Bitte? Das ist Boxen. Nee. Nazi. Verstehst du? Skins. Schlagen. Ja? Schlagerei. Nein. Ja. Nein. Das ist Boxen. Was willst du? Thank you.
dabei, dabei. Guten Abend. Entschuldigung. Ja. Ich esse noch. Ja, ich esse mal ein bisschen dort. Werte bei einer Frau sind mir viel wichtiger und bla 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 und die Schönheit ist doch nebensächlich. Kommt der auf der letzten Party um die Ecke mit dieser 1,80 Supermodel, super lange blonde Haare, so eine Frau? Ja, ist doch selber nur 1,60. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, das passt ja bei dir auch wie die Faust aufs Auge. Ja. Wie viel? Wie viel gehen? 6.000. Aber jetzt gehen wir nicht. Gehen an der Revier. Trop dangereux ici. Hey, l'Italien, retourne chez toi. Ça vaudrait mieux pour toi. Huile essentielle de musc, alcool, iode et laudanum. C'est une vieille recette. Comment ça se fait que tu parles italien ? Maria, mon épouse. On a vécu pendant 23 ans ensemble. Et puis le cancer. T'entraînais des boxeurs ? 3 médailles olympiques et 3 champions du monde. Tous des élèves à moi. À l'époque, en ex-Yougoslavie, on pouvait obtenir une bourse pour aller étudier dans l'ancienne RDA. C'est ce que j'ai fait. J'entraîne des petits jeunes de banlieue. Quand je vois qu'il y en a un qui commence à avoir un peu d'étoffe, alors je lui dis de se chercher un nouvel entraîneur. Et toi ? En Italie, j'étais boxeur. Je voulais rejoindre l'équipe nationale pour faire les Jeux Olympiques. Excuse-moi, mais tu n'es pas un boxeur de niveau national. Je dois admettre que tu as de la rage et de la puissance dans le coup droit. Mais ta technique,
Wer ist das? Das bin ich. Nein, das bist nicht du. Das ist jemand anderes. Du darfst dich nicht anschauen. Du musst dich sehen. Du musst arbeiten, jeden Tag. Sehr hart, sehr viel. Et ensuite, entre les doigts. Attention. Ton adversaire est plus rapide que l'éclair. Bonne chance. Caroline. Guten Abend. Tout va bien? Impeccable, ouais. Ce soir aussi, ils veulent tous la baie vitrée. Je te jure, j'en peux plus. Laisse-moi faire, d'accord? Folgen Sie mir bitte. Sors une bouteille de vin. Lass mal fair, espèce de plouc. Entschuldigen Sie bitte, schicken Sie uns die Rechnung über die Reinigung und wir erstatten Ihnen. Michele! Retourne à l'intérieur, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Je n'y comprends plus rien. Je t'ai offert un travail, je t'ai ouvert de nouvelles perspectives. Il me semble que maintenant on est quitte, non? Oh, j'en connais qui paierait pour avoir ton boulot. Tschüss, macht's gut. Komm gut nach Hause, tschüss. Ja. Max Schmeling. Le plus grand boxeur allemand. À 31 ans, il bat le grand champion américain John Lewis. Avant la rencontre, Max est allé voir le ring. Et il a compris que les projecteurs des Américains étaient si puissants que le sol du ring risquait vite de devenir brûlant. En utilisant des semelles thermiques, Schmeling a réussi à ne pas avoir les pieds frits par le tapis. Tandis que Lewis n'arrivait plus à se déplacer tellement. Il avait d'ampoule. La vache. Tu comprends? Maintenant, je dois te dire la chose la plus importante. Dans 2 mois, tu combattras. Il y a un tournoi? Non, il y a le tournoi. Tu m'as dit que t'entraînais plus au niveau professionnel.
C'est vrai. Tu combattras au Stammring. Le tournoi clandestin ? Le Stammring, c'est de la boxe. De la boxe pure. Tu affronteras les meilleurs boxeurs du moment. Vous combattrez durement. Mais avec honneur. En suivant les règles établies par le marquis de Queensberry. Qui ça ? Michele, tu poses trop de questions, hein ? Qui ? Tu dois me faire confiance. Si tu acceptes, au cours des prochains mois, tu devras t'entraîner comme si tu voulais décrocher le titre mondial. La seule différence, que tu gagneras rien à l'arrivée. Personne ne sait qui organise le Stammring. Le dernier a eu lieu il y a 10 ans. Le principe du Stammring est le suivant. Les titres mondiaux ne correspondent presque jamais à la réelle valeur des boxeurs. Au Stammring, les points n'existent pas. On ne peut gagner que par KO. Nico a sich nicht eingesetzt. D'où l'avantage d'être un outsider. Tu as fini ton tour. 30 minutes de course. On part quand? Dans 10 jours, à Gorzów, en Pologne. Écoute, Michele, tu es un homme et ce sont des hommes. Ils ont leurs points et la technique. Toi, tu as tes points et ce qu'il y a là. Aujourd'hui est enfin arrivé le moment de savoir si tu es un vrai boxeur. Ah oui, j'oubliais, Michele. Si tu arrives au dernier match, cela voudra dire que mon travail avec toi est terminé.
Condoléances. Allez, courage. Condoléances. C'était un type bien, ton grand-père. Et maintenant, tu repars quand ? Je suis pas sûr de repartir. Mais quel est ? Tu sais que tu peux pas rester en Italie. Ils vont te flinguer. Faut que je te raconte ce que j'ai fait en Allemagne. Je veux aller aux Jeux Olympiques. Encore cette histoire ? T'es complètement dingue. J'ai fait le Stammring. Jusqu'où t'as été ? J'ai gagné. Encore cette bécane de merde. Rosario. Tu me fais un coup ? Allons-y. T'aurais pas dû revenir. Ici, il n'y a plus personne pour toi, Michele. C'est pas vrai. Il y a bien mon ami Rosario, non ? Il y a qui dehors ? Salvatore ? C'est toi qu'ils ont envoyé faire le sale boulot, c'est ça ? Ils ont envoyé leur chien de garde. Oh. Mais qu'est-ce que tu me veux ? Une fois, j'ai fait une erreur et je devrais la payer toute ma vie ? Réponds ! Hein ? Si tu dois le faire, alors fais-le maintenant. Mais qu'est-ce que tu dis ? Hein ? Thank you.
Thank you.